Je suis Cristal et je suis organisatrice de voyages initiatiques au Pérou. Pérou, pays de mes racines, les racines de mon âme. Vous pourrez voir dans une autre vidéo au préalable sur mon historique de comment s'est passé mon coma pour pouvoir comprendre. Maintenant, je viens vers vous pour vous partager qu'est-ce qui, pendant ces voyages initiatiques, qu'est-ce qui se passe pendant ces voyages initiatiques pour les gens? La première phase pendant les voyages initiatiques est une phase de libération et en même temps, conjointement, une phase de connexion à son cœur divin, à son espace divin à l'intérieur de soi. À la fois, il y a délibération de vos mémoires d'une manière très fluide pendant des initiations et pendant ces libérations, il y a en même temps, pendant ces initiations, une connexion à votre espace de votre cœur sacré pour permettre de connecter à votre divinité avec plus d'intensité. Il y a trois initiations pendant le voyage initiatique, mais tout au long du voyage initiatique, en réalité, il y a beaucoup de phases de préparation sur différents sites avec les devas, les élémentaux et les apus qui viennent nous aider pour pouvoir libérer ce qui demande à être libéré dans vos corps énergétiques pour tout simplement laisser place ensuite à votre lumière, votre nouvelle lumière. La Terre est en cours d'ascension et nous pouvons être accompagnés par la Terre pour nous-mêmes ascensionner. C'est la proposition des voyages initiatiques. Et je vais vous inviter à regarder toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir grandir dans votre lumière. Je vais vous inviter pendant ces voyages initiatiques à connecter à l'intérieur de vous à toutes ces parties qui sont de l'ordre du divin, qui étaient enfouies à l'intérieur de vous et qui demandaient juste à être révélées, révélées dans votre potentiel, dans votre humanité. Pendant ce voyage, je vais vraiment partager avec vous ce que moi j'ai pu expérimenter des années de libération et des années de reconnexion et de connexion à mon être divin profond. La Terre est en cours d'activer des nouveaux brins d'ADN et de redonner à l'humanité, d'ouvrir les portes pour redonner à l'humanité des clés qui jusqu'à là étaient complètement indisponibles. À travers mon canal et à l'aide de tous les êtres de la source, de l'intra-terre, nous allons vraiment vous accompagner pour gagner dans votre libération et dans la connexion à la fois à votre terre intérieure et à la fois à votre ciel intérieur. Et que cette ciel qui est en réalité votre masculin divin et cette terre qui est en réalité votre féminin sacré puissent se relier, puissent s'unifier à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vous tout entier. C'est la proposition et l'invitation. Pour information, nous parlons parfois de 12 mètres de sagesse et nous expérimentons ces 12 mètres et 12 rayons de sagesse. Sur la Terre, il y en a 7 et nous avons souvent entendu parler de ces 7 mètres de sagesse. Et en réalité, en intra-terre, il y en a 5 autres qui ont été cachés depuis la nuit des temps, depuis des éons en intra-terre. Par ce voyage sacré qui va nous permettre de connecter au pays de cristal, les êtres de cristal et moi-même cristal, allons vous aider à connecter et à ouvrir ce canal pour pouvoir connecter ces clés
de ces cinq autres maîtres qui vont créer le 12 à l'intérieur de vous, qui vont créer cette plénitude d'être pleinement qui vous êtes et non juste une tête ou juste des jambes ou juste un corps, mais l'union de votre tête, de votre conscience, l'union de votre cœur, de votre amour inconditionnel et cette ouverture, et de votre hara, de votre connexion à votre féminin sacré, à votre terre intérieure, et d'unir ces trois plans pour un éveil complet, pour sentir une complétude à l'intérieur de vous. Nous allons pendant ce voyage, pour sentir cette complétude au fur et à mesure, avoir des pratiques pour apprendre à comment appréhender et intérioriser le prana, pour se nourrir de prana, et à la fois pour s'unifier ces trois centres, nous allons utiliser le tantra multidimensionnel pour unifier ces trois centres et sentir cette vague tantrique à l'intérieur de soi, cette unité à l'intérieur de soi. Et pour ceux qui voudront le pratiquer à la fin du voyage initiatique à deux, eh bien il y aura la possibilité ou de le vivre plus pleinement pour soi avec une plus grande profondeur. Il y aura 4 jours de proposer à la fin du voyage initiatique en option pour pouvoir approfondir cela et en même temps de réharmoniser tous ces corps de lumière. Il est proposé pendant ce voyage initiatique 4 jours au préalable en prérequis pour savoir se nettoyer les corps énergétiques de tous les corps, puisque les mémoires vont se libérer tous les jours. Tous les jours, il y aura besoin de savoir se nettoyer et de pratiquer le nettoyage des corps subtils pour pouvoir passer le lendemain avec fluidité à la suite du voyage. C'est pour ça que je vous propose ces 4 jours en préalable, en formation sur place avant le voyage initiatique, ou alors en vidéo formation et en vidéo formation en direct au préalable avant de venir à ce voyage initiatique. Et je peux vous certifier que d'avoir ces outils vont vous permettre d'avancer avec une rapidité exponentielle que peut-être que en une seule vie vous n'auriez peut-être pas touché. Je vous propose vraiment un voyage dans l'espace-temps avec la Terre et avec le ciel pour contacter vraiment votre complétude et votre plénitude d'être multidimensionnel que vous êtes. Alors, à tout bientôt.